Lorsque Sassou Nguesso abandonne le pouvoir et le drapeau marxiste à l'issue de la conférence nationale, il laisse à son futur successeur un pays ruiné. Personne ne sait où est passé l'argent du pétrole. Le Congo n'a plus de route, plus de chemin de fer. Il n'a qu'une dette colossale et une armée de fonctionnaires en mal de salaire depuis plus d'un an. Et pourtant, on veut croire à des jours meilleurs. Le nouveau président, Pascal Lissouba, élu quelques mois plus tard, doit faire face. Il a besoin d'argent tout de suite. Je me suis adressé vers ce que je considérais être comme nos partenaires en mesure de nous aider devant un certain nombre de difficultés très simples. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas, ni de près, ni de loin. Qui vous répond ça? C'est les responsables de... Elf de l'époque, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, c'est monsieur... Le Floc Préjean, oui, en personne, bien sûr, parce que je me suis adressé à lui, demandant un crédit relais pour me permettre de passer le cap le plus difficile, parce que j'étais vraiment en difficulté. On nous répond, ce n'est pas possible, et non seulement ce n'est pas possible, mais... C'est impossible et c'était même presque même idiot à la limite, voyez-vous. Je change à peine les propos. Alors, dans ces conditions, que faire? Au grand dam de Elf, le président se tourne alors vers la compagnie américaine Oxy. Il lui offre, contre 150 millions de dollars, une partie de l'exploitation du pétrole du gisement de Cossa. Or, Elf est déjà opérateur de ce même gisement. Il y a déjà engagé d'énormes frais de recherche. Le pétrole ne sortira de ce puits que dans 2 ans, mais la réserve assure à Elf près de 30 ans d'exploitation. Elf va faire casser le contrat des Américains. Ceci n'a pas dû plaire, parce que certains termes étaient, j'avoue maintenant avec un peu de malice, j'avoue, que certains termes étaient de nature à choquer l'orgueil. Du coq gaulois. Alors, ça n'a pas plu à mes partenaires de l'époque et je n'avais pas besoin d'une guerre avec mes partenaires et bon, je me suis rangé. J'ai enlevé Oxy des prétentions d'Oxy sur les gisements exploités par Elf et pour rassurer davantage Elf, j'ai indiqué qu'ils seraient les seuls à commercialiser la part de notre pétrole à nous, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux accords, mais nous avons pris une loi pour rassurer nos partenaires.